ったのバッチ、これが命を守ってくれ。これでも食え。D'où il vient lui? Y'a personne qui l'a entendu venir avec une chaise? Mais je m'en bats les... Non mais je m'en fous de ton pistolet. Ah c'est un super, un couteau. Non non, AK. Pourquoi on n'a pas pris l'AK? Il y avait clairement des balles dedans. T'as le droit au pistolet pourri, l'autre est bloqué par le scénarium. Oh putain. Fais ce qu'on te dit, arrête d'être dissipé. Oui, je sais pas où on doit aller en fait. Je sais pas où on doit aller exactement. Là? Plus d'alerte, c'est ça qui est mal foutu. Oh! Tu veux dire que les zones, elles... Ah oui, ouais, non, en fait, oui, c'est pour ça que les mecs me poursuivent pas. Les zones, elles sont bloquées, enfin, elles sont coupées, c'est ça? Vite, il sort de la porte! Il est là, arrêtez-le! Après, il rentre. Ah non, c'est bon, il est parti! Ah, on peut pas, on n'est pas assez payé pour le courser. Ah, on peut pas. Oh putain. Ah la vache. Ah putain. Alors encore une fois, j'aime beaucoup les métros, je trouve l'ambiance cool. Mais tu vois, ces conneries comme ça, moi ça me sort complètement du jeu et au bout d'un moment je m'amuse. Alors je sais que les gens ils préfèrent quand... Quand la personne est bien immergée, on est bien dans le jeu et tout ça, on est bien dans l'ambiance et tout. Je veux vraiment. Mais quand j'ai ça, non, j'y arrive pas, moi. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc du coup, je prends le jeu super léger, en fait. C'est... Non. Moi, je peux pas. On va rigoler tout le long, quoi. Je préfère combattre. Et puis, de toute façon, on va se taper une fin de merde. On va avoir la mauvaise et on va sûrement mourir. Comme dans le 2. Donc, au final, on s'en fout, quoi. Moi, ce qui est important, c'est... Est-ce qu'on va se retaper Anna? Ouais, c'est intéressant. お前が何かいい考えを持っているかと期待していたが、それでお前のカウンターは正常なのか確認したのか。ちゃんとしたわ、安全よ。ステパンのね、マスクなんて必要があるわ。そうか。奴らは正しかったのか。一体誰が言ってたのよ。どうして答えないの？私たちが殺そうとしてたのは何者なの？なぜ父さんに銃を向けるの？わかるように説明してよ。Ah, les gens, ils arrêtent pas de parler, mais c'est relou! モスクワ近郊を網羅する
妨害電波ネットワークが、あの無線オタクたちの頑張りのおかげで、俺たちは何十年もミサイルの脅威から守られていたんだ。そしてその妨害装置の一つが、ここにいる者の手で無効化された。なぜもっと早く言ってくれなかったの？アルチョムが無線機を持って地上を探索してたのを知ってたわよね。言えなかったんだ。このことを知らされたのはほんの半年前だ。口外すれば死を与えるという条件付きでな。それで人々には気象レーダーだと伝える必要があった。失礼ですが、戻ることができないとしたら前進するしかないんじゃないでしょうか。考えがある。だがアルチョム、このまま黙っていても拉致があかん。暇ならお前は無線をチェックしてみろ。ここなら妨害電波は及ばないはずだ。ガタガタ言わずやってみろ。On est dans Borderlands, on doit récupérer une arche. Quoi? これでなぜ我々が司令部にとって裏切り者か分かったか。我々は妨害装置を無効化し、護衛を殺害し、警備車両を破壊してモスクワから脱走したんだ。判決が明らかなのに裁判など必要だと思うか。もう戻ることはできない。つまり我々は前に進むしかないってことだ。司令部って一体何の話よ。モスクワ防衛司令部だ。姿なき監視者について聞いたことはないか。そんなのただの都市伝説でしょ。違う、それこそが司令部だ。そいつらが保身以外のことに興味があると思うの？それと箱舟って一体何？アルチョムが信号を探知できれば全てわかる。見つからなければ話すことはない。C'est bon, il y a personne. Est-ce que j'aime le gameplay discussion? C'est une horreur dans les métros. C'est une horreur. Ils font rien pour que tu sois investi dans l'histoire. Je veux pas dire, mais quand même. J'essaye d'écouter la radio. Fermez vos gueules. みんな聞けよ。後方最終決地に集合せよ。終結地の座標は高度1811-79。よし。エリア18-5。さっきの座標はどこ？我々はこんなものはできない。ここからそう遠くないな。山田さん。Son bavard, c'est japon russe。ここが目的地だ。で、これが父さんの考えってわけ？そうだ、その通り。箱舟プロジェクトは壮大な地下都市だ。壮大な地下の店、機材、専門家がいる。モスクワ防衛司令部の本拠地で、国中のトップが一堂に会している。すでに復旧作業に着手しているはずだ。彼らにモスクワは生きていると伝える。希望が見えてきたぞ。これで全てが変わる。わかるか？戦争を生き延びた全ての者の新しい人生が始まるんだ。いや素晴らしいですね。ところで、そこに独身の女はいるのか？傑作だ。そうだな。ではせっかくだから、ダミール、あれを持ってこい。あれって何です、大佐？お前の水筒の中に入ってるあれだよ。気づいてないとでも思ったのか？ああ、あれですか。ちょっと待ってください。聞き間違いかと思いました。ウラルまでの道のりは長い。まあちょっとくらい楽しんでもいいだろう。せめてこの鋼鉄のデカ物に名前をつけるとするか。それはいいわね。アンナと名付けてコキ使ってるのか。ふざけんな。Savez, quand vous êtes dans un groupe de personnes que vous aimez pas et qu'ils parlent entre eux, ils font des blagues et tout le monde rigole, bah vous vous sentez obligé de rigoler. Bah là, c'est exactement. C'est exactement ce qui se passe. Allez, prends! Faut boire du jus de vaisselle, jus de... Ah, peut-être bois pas alors. Non, 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 non. Arichum,
地図を見てみましょう。よし、ほろ酔いになったことだし。イエローワーク、全速力だ。行け、ちょっと新鮮な空気を。結構遠いわね。一体どれくらいかかるのかしら。でも絶対たどり着いてみせる。アリアシャ、調子はどう？ああ、ない。キュービットのような撮影ことを期待していたんだが、ブサイクな銃弾を食らうことになるとはな。本当に大丈夫なの？何年も地下で過ごした後に吸った。Je vais être honnête, je sais que le fait que ça soit en japonais, que personne ne comprend que dalle, à part les Yata et Mate et Yamete, je sais qu'on ne comprend rien. Mais honnêtement, même sans ça, c'est chiant. Ça ne fait que parler, c'est extrêmement horrible. C'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas les métros pour ça. J'aime vraiment pas les métros pour l'histoire. Pas mal. Ah merde, je l'ai pas. Je l'ai pas installé. Si tu peux les installer genre sans perdre de temps. Je veux dire, genre, il est pas là à bricoler, on est d'accord. Hein. Du coup, quand je change comme ça avec la souris, valide-les-moi. T'as pas besoin de... Pourquoi tu me fais appuyer sur une autre touche pour installer, en fait. Valide-les-moi, quoi. Petite bestiole, là-bas. Bon, on va prendre le bateau. Ça, c'est sympa. Sympa. Psst. Dépêche, avance. Ah, prends ton temps. Allô. Oh mon dieu d'handicapé, quoi. La maniabilité de la barque, s'il te plaît, quoi. Allez, avance. Kratos, il était quand même mieux avec la barque, hein, dans God of War, hein, dans le dernier. Et Kratos, il était quand même beaucoup, beaucoup mieux, hein, je veux pas dire, mais... on a un bateau là, ok, ça marche. Bon, bah, on attend. C'est juste différent. Faut pas... Dans un sens, ça gâche un peu l'exploration. Moi, j'aime pas trop le fait de pouvoir crafter dans certains jeux. Parce que là, ce que je fais, en fait, c'est rechercher des champignons. Dès que je vois un champignon, je vais devant. Alors que, en théorie, c'est un truc radioactif. Du coup, je suis plus là à rechercher des ressources que à faire attention à ce qui se passe autour de moi, quoi. Donc, je pense que ça marche pour certains jeux, mais pas pour d'autres. まあ、双眼鏡を覗いてみろ。この辺のことを教えてやろう。Le problème, pour moi, le gros problème du métro, et ça a pas vraiment changé, hein, comparé au métro, c'est ces parties-là où c'est que les gens parlent et que tu t'en fous au final. Parce que ton perso, il interagit pas avec les personnages que tu rencontres, donc c'est pas fun à regarder. C'est genre, t'es là, tu peux pas parler, tu peux pas bouger, et le mec te parle pendant 3 heures. Bon, donne-moi les jumelles. Merde! J'ai mis trop de temps, donne-moi les jumelles! Oups. J'ai pas écouté le... ce que le mec disait. Oh. What? J'ai vu le bâton lumineux. Et apparemment, je viens de traverser le décor.
でもあなたの声が聞こえて、あなたを置いていけなかった。Ça va, ça va, ça va. C'est bon, on a compris. Hein. Voilà. Chut, c'est bon, arrête. J'aime pas l'étoile d'araignée. Oh! Putain. Tu vas me dire avec elle qui arrête pas de tousser comme ça, ça résonne et tout ça, on n'arrête pas d'entendre ça. Hein. Tu vas me dire que les monstres l'entendent pas? C'est quoi? C'est encore du scénarium, c'est ça? Un truc sur la droite. Tu veux pas lui coller une balle à la fille? Non, c'est notre bien-aimé. Et peut-être qu'on va s'amuser avec plus tard, comme dans le dernier. Ah ah. Prends la balle. Qu'est-ce qu'on a allumé en fait? On a mis la lumière. Ils ont trop joué à The Long Dark, ah, les zombies. Ils ont cru que t'allais tomber comme les lapins. Tout ça pour qu'elle se fasse kidnapper, c'est trop bien. Ah non, c'est bon, c'est eux. Okay. Bonjour. Amuse-toi bien sur Total War, Orion. Tu me diras ce que t'en penses. あのバレルが見えるから、おそらく化学物質が詰まってる。この場所は貯蔵庫か、もしくは廃棄場だろう。あのシャツはこの辺りの人間が目印のために建てたのだろう。なるほどな。で、アルチョム、彼女を抱えようか。いやよ、助けなんていらない。一人で歩けるわ。ちょっと休んだら行けるから。ボスの頭が狂っちまうぞ。可愛い娘のことが心配でしょうがないんだ。Ben go, on y va là。父さん、私よ。無線のバッテリーが切れたの、しかも濡れちゃって。それ以外は平気よ。アルチョムたちも一緒にいる。アンナ、いつかお前のせいで心臓発作を起こしそうだ。しばらくは外出禁止だ。アル、お前なのか。アンナの仕事を手伝ってくれて感謝。今すぐあいつを連れ帰ってくれ。おてんば娘にお灸は据えないとな。ステパンも何か言ってたか。市民を乗せたいとかなんとか。みんな勝手すぎるぞ。もう行って、ステパンと一緒に父さんを説得して、カティアとナスティアを連れて行けるように。アルチョム、少し良くなってきたわ。本当よ。じゃあ、もう2番。なあ、サム、本物の敵の基地を教えてくれよ。俺たちでも見たらすぐに分かるように。まずでかい人間型ロボットがいる。体に水蒸気の模様が描かれてて、ケツに核融合炉がぶっ刺さってる。それから食べ物は最高だ。ハンバーガーにフライドポテト、それとシーフ。Adios.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Oh! Il n'y avait pas de prompteur. Je pouvais pas l'enchaîner, rien. Et après, vu que bon, il n'y avait rien, j'ai commencé à lancer un couteau et il m'a tapé au même moment et il m'a one shot. Parce que le mec, il a sûrement une force herculéenne. On lui a mis le couteau dans le bras, ça l'a tué. La musique il s'arrête pendant une seconde. Merde, j'ai bougé le chat, excusez-moi. Désolé. Y a pas de lock souris, ok, dans ce jeu, apparemment. Donc j'ai ma souris qui se balade, et des fois quand je fais avec le jeu, je scroll en fait, en haut ou en bas pour changer d'arme, ça me... vu que la souris elle passe sur le chat, ça le monte, et du coup je vois pas ce qu'il y a écrit. C'est vraiment bien, hein. Le lock souris c'est pas dur, hein. C'est pas difficile, c'est une ligne de code. Hein. C'est une ligne de code pour locker la souris. J'ai pris le Game Pass aujourd'hui, j'ai téléchargé le jeu aussi. Est-ce que tu t'amuses? Nous, on l'a mis en japonais. Est-ce que tu t'amuses, toi? Je sais pas s'ils peuvent rentrer, là. Ils ont l'air d'être complètement teubés. Me dis pas qu'ils peuvent pas rentrer dans les bâtiments quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont complètement teubés les trucs. Ils ont sauté dans le vent. Pourquoi il tombe comme ça? On dirait qu'il veut attaquer un truc, mais il s'arrête. Excuse-moi. Ah mais c'est des petits en fait. Ça c'est un gros par contre. Ça va mal finir. Wouh, Batman! Ils ont un peu, peut-être... Ah, mais on n'est pas mort, merde. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ralentit comme ça? Qu'est-ce qu'il fasse? C'est quoi ces mouvements? Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, il m'a déjà oublié en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Wouh ! Wow, la vache, qu'est-ce que c'est immonde. Ah merde, t'es pas mort. C'est bon là? Ok, je veux bien que tu sois un mutant machin, mais quand t'as 304 balles, enfin je lui ai vidé un chargeur quoi. Là tu devrais être mort. Là, casse-toi. Je peux pas dire. Mais... Je m'en fous qu'on soit en difficulté élevée, hein. C'est pas débile quoi. Faut pas que ça soit complètement con non plus. Arrête de d'aller au ralent. Mais non, tu te fous de ma gueule. Putain, monte. Ah, il est juste là, le mec. Il va me tirer dessus, il va pas tirer sur la goule. Et la goule ne va pas aller sur lui. La goule, elle va continuer à me courser, c'est ça? C'est ça. Est-ce que t'étais revenu en patrouille, en mode patrouille? Est-ce que tu marchais, genre, comme ça? Est-ce que t'avais déjà oublié que j'étais là? Parce qu'on dirait... Oh, c'est quoi ça? Voilà, là. On peut les assassiner. On peut pas, hein. On est d'accord. On peut pas assassiner les bestioles comme ça. Ça m'étonnerait. Je crois qu'ils m'ont entendu. Alors, est-ce qu'ils peuvent rentrer ? Merde. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on peut pas faire confiance à jeuxvideo.com et tout ça. Est-ce que quelqu'un a parlé de ça dans jeuxvideo.com? Est-ce qu'il y a... Quelqu'un a parlé du fait que l'intelligence artificielle est complètement teubée puissance 10? Hein? Honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça? Non, personne.
Faut en faire des clips, faut en faire des clips. Tu devrais être testeur de jeux vidéo car effectivement les journaux sont tous corrompus, 21 sur 20 Red Dead. Ouais, ça c'était la plus grosse connerie du monde quoi. Salut Warcat. Jean-Baptiste. Ça me dit quelque chose mais c'est quoi, c'est YouTube, YouTuber. Oui, mais c'est pas enfin dans un sens personne le regarde, c'est faux de dire ça, mais je veux dire tout le monde en fait va prendre la référence, c'est jeuxvideo.com en France. Tout le monde va prendre la référence et tout le monde va se passer le mot en fait. Va se passer le mot que comme quoi le jeu est bien et tout ça, mais c'est pourri, enfin c'est pas pourri, enfin c'est pourri. C'est pas normal, enfin c'est... Presque, presque, presque. Voilà, bien. Salut au passage, Worka, ça va? Enfin, c'est... Désolé, hein, je... Ça me ruine mon jeu, en fait. Je pensais vraiment passer un bon moment sur ce métro-là, mais... Non. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de silencieux. J'ai complètement oublié ça. Chose là-haut que moi j'hallucine. Et qu'est-ce que... What? What? J'aime pas ce genre. Mais alors pas du tout. C'est quoi ça? Faut le prendre en clip. C'est énorme. Ok, cette fois je le fais en une fois, ok? Je vais arrêter de faire exprès. On pourrait se faire dézinguer sans raison ici. Quelle vie. No more Mr. Nice Guy, exactement. Des nouvelles de la caravane? Ah, regardez. C'était quoi ce bruit? Hein? What? Le couteau a été arrêté par un bout de tissu. Non mais... Eh, hein? Non mais sérieux quoi. Après tu m'étonnes que j'ai des problèmes avec le jeu. M'étonne, hein? Sérieux quoi. Et cette musique, cette musique, est-ce qu'elle est relou? Hop, on arrête. Thank you.
Merde. Putain, excuse-moi, je pars. Ah, est-ce que tu peux me tirer dessus quand je suis sur une échelle? Non, pas en bas, en bas plutôt. Bon, on fait le tour. Qu'est-ce que tu fous par terre? T'as trop bu? Hey! Je pense que je vais désinstaller les trois métros en fait. Je pense que je vais plus m'amuser sur d'autres icônes. Y'a personne là. Cette musique. Qu'est-ce que c'est chiant, parce que tu sais jamais vraiment ce qui se passe en fait. Ça te déconcentre plus qu'autre chose. C'est... Oh la vache. De rien voir aussi, c'est un peu la merde, honnêtement. Ah, c'est un corbeau. Yo Star, bienvenue. Pas dispo sur le jeu, mais je laisse tourner le stream. Bonne soirée. Merci beaucoup, Star. Passe une très très bonne soirée. Il paraît que 2033 et Last Light sont mieux. J'ai beaucoup joué à Last Light, donc juste celui d'avant, je peux dire qu'il est mieux, honnêtement. Je pense que le. Ils ont mis la même intelligence artificielle. Des anciens métros, c'est-à-dire que bah elle était bof, elle était pas énorme, elle était bof, mais c'était pas pourri non plus parce que c'était des couloirs hein, avant. Et là maintenant c'est un monde ouvert, donc les mecs ont l'air d'être complètement à la ramasse. Genre ils arrêtent pas de parler, mais ils vont jamais vraiment faire des rondes ou quoi que ce soit. Bah, c'est pas vraiment, je sais pas, c'est pas très dynamique quoi. Et apparemment, quand tu tires sur quelqu'un, tout le monde sait où t'es. C'est magique aussi. C'est pas mal ça. Tout le monde sait exactement où t'es. Et par contre, ça, c'est des choses que j'aime pas dans les jeux comme ça. Ils ont l'ultra instinct, ouais. Plus ou moins, ouais. J'ai peu l'impression qu'il y ait du monde là.
Je crois que le pire, c'est le fait que la musique est chiante, parce que c'est toujours la même chose, et elle est très très forte en fait quand ils te voient, les mecs, c'est... Et les mecs n'arrêtent pas de parler tout le temps. Ça aussi, c'est extrêmement relou. Là, j'ai envie de monter et directement aller voir ce qu'ils font au-dessus, mais... On va peut-être avoir de la compagnie en haut, et vu que je suis très limité dans les mouvements de ma caméra quand je suis sur une échelle, je sais pas si je peux voir s'il y a du monde, en fait. Non. Direct, la caméra se met devant. C'est bien. Ça aussi, de pas avoir contrôle complet de ton personnage, assez relou. Hein. C'est très, très relou. Ma faute. La patience. Et il répète exactement la même chose en boucle, quoi. Bah, du coup, merci à Rick hein, qui a complètement compris comment utiliser l'intelligence artificielle contre elle. Donc apparemment, tu fais droite-gauche quand t'attaques et c'est bon. Je dirais qu'il n'y a plus que lui. What? Oh la vache! Eh, vous avez vu le couteau qui est bloqué sur un bout de tissu? C'est pas mal ça aussi. Hein. C'est vraiment cool. Je vais pas te laisser t'enfuir, crois-moi. Ah, ta gueule. C'est vrai qu'après de rien voir, ça aide pas. Je crois qu'il est derrière moi. Ah, il est là. Il était en train de se rendre. La musique qui coupe comme ça. C'est... Oh là, oh mon dieu, putain. C'est super mal fait. Je suis désolé, mais pour moi, ça c'est des trucs qui sont très très mal faits. Hein. Ça te casse l'ambiance. Une musique, c'est super important au final, quand tu y penses. Hein. Méga important. Je veux pas dire, mais... On va prendre notre couteau qui s'est bloqué sur ça. C'était pas mal ça aussi. Bien.
Pourquoi mon perso il glisse des escaliers? Vous pouvez m'expliquer? Attendez. Pourquoi Artyon ne peut pas se déplacer normalement sur les escaliers? Pourquoi il tombe à chaque fois? En plus, je sprinte pas, hein. J'avance, hein. J'avance normalement, hein. Je sprinte pas, hein. Mais il tombe à chaque fois. Terrible. Je sais pas où je vais. Je viens de passer à travers le décor. Je viens de passer à travers le décor. Je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. Et je dois être sûrement le seul à penser ça. Metro Exodus, je le place dans le même panier que Fallout 4, Fallout 76 et Anthem. Et pourtant, j'aime bien Anthem, attention. C'est des très bons jeux, avec des gros potentiels, mais qui ont des bugs à foison, et plein de petites merdes comme ça. Et ça te pourrit l'expérience, en fait. Ça te pourrit l'expérience. Genre Metro Exodus, c'est ça, quoi. L'ambiance est cool. Monde ouvert est cool, l'ambiance est cool. Mais dès que tu touches à... Tu attaques, par exemple, des camps de bandits. Les bandits sont complètement teubés. Mais pendant que tu joues et que tu attaques le camp de bandits, en fait, t'as plein de petits bugs. Donc, c'est-à-dire que une fois, t'as le prompteur pour tuer, par exemple, qui apparaît pas. T'as les couteaux, tu envoies les couteaux, ils se font arrêter par un bout de tissu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La musique, quand t'es en combat, elle est horrible. Parce que t'as un son, en fait, quand ils te repèrent. Et t'as un son strident, et après t'as un bout de musique, genre... Genre un morceau de musique qui tourne en rond, c'est 4 notes... Qui doit un peu te booster, en fait, te donner un coup d'adrénaline parce que tu t'es fait repérer. Et c'est juste ta 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 ta. Et après, hop, ça s'arrête. Une fois que les mecs t'ont perdu de vue, ça s'arrête. C'est super mal fait. Ça te retire complètement de l'ambiance. Et après, t'as les trucs comme ça, genre passer à travers le décor, ou alors t'es bloqué par rien. Et ça te pourrit l'ambiance complètement. Et après, bon, bien sûr, on a eu le dernier stream, on a combattu une chauve-souris. On a combattu une chauve-souris géante. Elle était complètement teubée. Elle allait au ralenti. Elle savait pas où j'étais. Elle volait. Le bruitage était pourri aussi. Le battement des ailes était nul. Quand elle est tombée par terre, elle glitchait à moitié. Puis après t'as les petits monstres. Quand je me suis mis dans la remorque du camion, enfin à l'arrière du camion, les trucs passaient à travers la paroi, en fait, et je pouvais les taper à travers la paroi. Ouah, mais chaud quand même. Chaud. C'est ça qui te pourrit complètement le jeu, en fait. Tu prends Fallout 4, c'est pareil, le jeu est superbe, mais il y a tellement de bugs. Et encore, sur PC, c'est mieux parce que t'as plein de mods qui corrigent les bugs. C'est pareil. Fallout 76, bah du coup, t'as pas les mods. T'as pas les mods, mais t'as les bugs. Donc t'as ça. Et Anthem, c'est pareil. Anthem, les corrections des bugs, ça arrive très très lentement. Encore hier, j'ai toujours eu le bug de la déconnexion. Quand tu te lances dans une partie, t'as pas les couleurs de ton javelin, tu te fais déconnecter. Ça, c'est depuis le lancement du jeu. Ça va faire 4 mois. Bon, hein, faut peut-être un peu enclencher la surmultiplier et corriger ces problèmes. Et là, Metro, c'est exactement pareil. C'est plein de petits bugs. C'est plein de petites choses qui sont ultra emmerdantes. C'est abusé. On a 14 balles.
Ok, ok. C'est moi ou les putains de planches volent ? Parce que la première fois que je suis passé, j'ai vu, mais j'ai rien voulu dire. Hein, j'ai rien voulu dire parce que je me suis dit, c'est pas grave, allez, on fait. Mais on est d'accord que les planches là, elles volent, hein? On est d'accord, là elles sont cassées, celles-là, elles volent. Et ça aussi, ça vole. Et ça aussi, ça vole. Et là, ça vole aussi. Hein, on est d'accord ou quoi? Comment on change les rails? Ah là. Non. Stop! Putain! On l'a pas entendu le truc! Ah, c'est là. Mante? Mante, qu'est-ce que tu fais? Il est où le prompt? Mante? Mante la compte ta race de putain de jeu de merde fait par des putain d'incapables de. Ah, pardon, il fallait. Non. Ah non, il faut pas se mettre trop près et pas trop loin. Et il faut regarder bien devant soi. Pardon, excusez-moi. C'était ma faute. C'était ma faute. Tu sais, il m'a oublié. Ouais, il m'a direct oublié le truc. Il m'a attaqué une fois et après il est parti. On a fait déjà un stream dessus, donc on a passé je crois 5 heures dessus. Et là ça va faire 3 heures. Là le mec il peut sauter en route. Et honnêtement ouais ça fatigue un peu là. Ou alors il faut aller sur un autre. Oh la va. Mais oh tu vas. D'accord. Bah non, là c'est pour aller à gauche. Attends, j'avais mis pour aller tout droit moi. Là c'est tout droit. Elle va rattraper le wagon maintenant. Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un mur invisible? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce merde? Il y a un truc sur... Non, parce que c'est bien connu, genre après l'apocalypse, les rails, tout ça, là, tout ça. Parce que là, on voit que c'est super bien entretenu. Et le wagon à la con, là, qu'on a, il est aussi très, très bien entretenu. Donc, c'est vrai que si tu lui laisses un petit élan, il y a tellement aucune friction, car les rails et tout ça, c'est tellement super bien entretenu, qu'il va continuer, comme ça, tout droit. Il va jamais s'arrêter. Même en montée, il va continuer. C'est bien connu, ça. T'es sérieux? T'es allé tout là-bas? T'es... Le truc, quoi.
Waouh. 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 Et il a eu combien sur jeuxvideo.com? Non mais sérieux quoi. Allez, on est reparti. Il a été payé sur 20. Il a eu trop sur 20. J'adore les réponses comme ça. Non mais sérieux. Et du coup le truc invisible, on va le passer avec le wagon ou pas? Je crois. Ah je pense. Bonjour, ça va? Écoute, repose-toi jusqu'à la tombée de la nuit. Je vais t'attendre ici. Pourquoi on a une musique comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, restez cool les mecs. Une quinzaine de gardes, 4 près de l'échelle du remorqueur et des sentinelles sur l'embarcadère. Sam s'occupe du plan droit, vas-y Sam. Je suis en position. Je vois un garde. Duke est à gauche du hangar, à toi. Duke en position, prêt à descendre le garde. Idiot est à la gauche. Pas de bruit. Prêt à attaquer, j'ai un visuel sur tous les gardes de l'embarcadère. Mais attends. Alors attends. Tu vas me dire que le mec se met juste à genoux, même pas caché à côté des ennemis? Moi je me suis dit, on est tous dans le même camp. Le mec s'est mis juste à genoux, même pas caché des ennemis en fait. D'accord. Non, mais c'est bien je. Ça va Monsterwise, ce métro c'est est mauvais. Après 2-3 litres de vodka ça peut être fun, exactement. Non mais je veux pas dire parce que sur, il n'y a pas écrit le nom, genre je suis un ennemi, ok, ça apparaît pas. Alors j'ai vu Duke, j'ai vu Duke. Il était juste accroupi, il était même pas caché en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, le reste... Bah le reste c'est des amis aussi. Bah non. Apparemment non. Allez Artyom, c'est toi qui commandes, à toi de décider. On devrait attendre la tombée de la nuit. Ça pourrait être plus facile. Certains gardes risquent de s'endormir. Pour être posé dans la cabine en attendant. C'est pas comme si les mecs étaient juste à côté, hein? Non. C'est pas comme si les mecs étaient juste à côté, hein? Oh, tu veux que je me repose dans la cabine? Mais c'est fou ce jeu. Ça c'est l'idiot ça? Ça va? Pas de bruit. Mais ta gueule! La dernière fois, mec. Dernière fois. C'est la dernière fois que tu me dis chute. Chut, pas de bruit. T'as cru voir quelque chose, connard ? Pas besoin. Grenade. Non mais il est relou le mec, arrête pas de dire chute là tout le temps. Je crois qu'il a... Il continue hein. Qu'est-ce que tu... Tu tombes ou quoi?
Il était où le mec qu'on a tué? Mais ferme ta gueule! On a tué un mec, je sais pas où. Non, apparemment. Enfin, normalement, en théorie, il était là, mais. Oh la vache! Tu vas me dire qu'il y a personne qui s'est aperçu que le NPC était complètement débile? Hein? Ça, c'est encore un jeu pas testé, mais grave, mais grave! C'est fatigant, quoi! Ah, il était là le mec? T'es sérieux? Bizarre. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On va s'arrêter là pour ce soir, parce que honnêtement, ça m'a fatigué. Et voilà.